sommes toujours dans les coulisses du premier forum Changer d'air, mais cette fois-ci dans des coulisses, les coulisses qui s'appellent le Loft. Nous sommes à l'heure du déjeuner, vous entendrez peut-être des petits couverts, des bruits de couverts. Et je suis avec Stéphane Rio. Merci beaucoup Stéphane de te prêter à ce petit jeu des questions-réponses. Alors Stéphane, toi tu es un spécialiste de l'accompagnement au changement, et notamment à travers ce qu'on appelle un collab. Alors c'est quoi un collab ? Alors un collab, pas seulement, mais un lab, j'ai appelé ça un laboratoire parce que justement, c'est pour moi un moment écosystémique de rencontre dans lequel on va tenter, on va expérimenter, on va réinventer. Et donc cette notion de laboratoire, elle a une logique, notamment avec le co. Le co, c'est la co-construction, la collaboration, la coopération. Et en fait, on a besoin des deux, en fait. Et donc l'idée d'un collab est venue en me rendant compte que la complexité du monde est telle dans les entreprises, dans les organisations, dans les systèmes politique, qu'il faut expérimenter et réexpérimenter ensemble. Expérimenter, c'est le lab, et ensemble, c'est le co. Et donc, l'idée, c'est de créer des moments. Le collab, c'est des moments d'expérimentation de l'intelligence collective, de l'intelligence collaborative, des moments de co-création sur une thématique spécifique qui peut être simple ou complexe, sur lequel on va faire intervenir tout un écosystème. Par exemple, une entreprise sur une problématique qu'elle a, innovation, développement durable, transformation de son activité, réinvention, trouver un nouveau produit ou un service, eh bien, on va faire appel à tout son écosystème en mode collaboratif. Et donc, on va faire appel à ses salariés, ses clients, ses fournisseurs, ses parties prenantes, quelles qu'elles soient, internes ou externes, les systèmes politiques, les communautés qui vont être concernées par son produit ou son service. Bref, l'idée d'un collab, c'est un moment de co-création pour réinventer nos modèles et pour aborder la complexité. Et pour peut-être changer d'air, puisqu'on est donc à cette première édition du forum Changer d'air, moi j'ai une question un peu abrupte, mais ok, changer d'air, mais ça passe par quoi concrètement le changement d'air, selon toi ? Eh bien, justement, déjà dans les premières tables rondes qu'on a eues, changer d'air, c'est changer d'air, en effet, à hier, c'est-à-dire penser autrement, penser différemment. On dit penser out of the box. Et donc, pour moi, changer d'air, c'est changer de cadre, essayer d'imaginer les choses différemment, prendre du champ, se mettre en position un petit peu méta. Et puis, tout ça, ça se fait en étant dans le partage des informations, dans le partage des émotions, dans le partage des idées. Et c'est toute l'idée et tout l'esprit qu'il y a derrière un collab. C'est de faciliter justement ce changement d'air en co-créant une nouvelle façon d'être ensemble. Un petit mot sur ce forum ? Passionnant, on passe un super moment, très dense. J'adore le mélange des genres entre les différences de génération, les différences de systèmes de pensée. On a des ingénieurs, des chercheurs, des philosophes, des politiques. Et aussi cette parité homme-femme et cette vision qui finalement crée tout un écosystème et une réflexion globale pour aborder la complexité. En tout cas, je crois qu'on a tous les ingrédients qu'il faut pour ensemble commencer à réfléchir sur le monde de demain et la société de demain. Merci beaucoup Stéphane.